In southwestern Madagascar, the Mahafali Plateau is a land renowned for its heat and aridity. Here, the rain falls only a few times a year. Water is scarce, pollution to store water. They transform baobabs by digging the inside to use them as living water tanks. Mahmoudi, the last baobab digger. On suit un personnage, le personnage principal, c'est ce fameux Mahmoudi qui creuse des baobabs. Et à travers le film, on découvre sa famille et puis toute la sphère du village qui tourne autour de lui. Je voulais mettre en avant leur manière de vivre, qui a beaucoup à nous apprendre finalement, dans leur contact avec la nature, et puis leur indépendance, voilà, parce que nous on est devenus très tributaires et dépendants de technologies, d'internet, etc. On vit hors sol, j'aime bien dire ça, ou en tout cas hors réalité. Le film se déroule à Mputaka, donc c'est un petit village localisé sur le plateau Mahafal, dans le sud-ouest de Madagascar. C'est la zone la plus aride de l'île. Hein. Et le tournage a été extrêmement complexe à mettre en place parce qu'il fait chaud, on n'a pas accès à l'électricité, et puis c'est quand même des zones extrêmement enclavées, donc où il y a beaucoup d'aventures. Voilà. In these extreme living conditions, the inhabitants of the small village of Amputak found a unique solution to store water. On aime ces gens-là, on aime leur manière de vivre, et on aimerait toucher un peu les gens avec ça, parce que voilà, ça amène un peu plus d'humanité peut-être. Alors je sais pas, c'est prétentieux, mais au moins un peu moins de technique, un peu moins de matérialisme, et plus d'humain, voilà. This is the story of men and women who, in order to survive and draw water from them, dig the baobabs from generation to generation.